Retour au stade Robert Champoux de Marcoli. Pour l'opposition Africa Sport d'Abidjan, Aziz Abankourou. 1-0 pour les Verts et Rouges. Vous marquez à la 43e minute par Bamba Mamadou. Aziz Abankourou qui a dominé 30 premières minutes et qui a pris un but anodin. Marqué des 30 mètres. Rebond. Raison de Ouattara Amara. 1-0 donc pour l'Asie et pour l'Africa Sport d'Abidjan. Merci à Robert Champoux. Et donc, Africa se trouve en confiance. Sa victoire face à la jeunesse Côte d'Abidjan Trècheville, qui a donné un regain de vitalité au club vert et rouge, qui était en difficulté avec le Limoja et de l'entraîneur monténégrin, Milisa Bokmanovic, avec la suspension de toute l'équipe titulaire, remplaçant ou ceux qui n'ont jamais joué, joué contre, le sport, contre la jeunesse Côte d'Abidjan Trècheville, et ont gagné 2-1. Et puis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Africa a inauguré son siège le week-end dernier. On vous dit que les primations étaient payées après la victoire. Et donc, l'Africa a retrouvé la sérénité, la confiance. Ce qui se ressent cet après-midi à Robert Champoux. 1-0 sur la première partie du jeu. Ce sont les Aiglons qui mènent. En avec un entraîneur, Seri Wawa, qui revient sur le banc 36 ans après. Aziz Abankourou, qui n'a enregistré aucune victoire depuis 4 matchs nuls et 2 défaites. 4 matchs nuls et 2 défaites. Il faut le faire. L'Asie en difficulté à la 12e place l'après-midi. Il faut aller vite. Il faut redresser vite là-bas. C'est parti pour la seconde période. Et ce sont les Princes de l'Indénier qui ont le ballon, qui vont le contrôler. Le ballon, la défense de l'Africa, Ambro. Et c'est Boronikez qui se dégage en l'emporte-pièce. Heureusement qu'il est là. Pourquoi Madi éloigné le ballon, bien joué. Lieu profitant. Auré Jakaria. Auré Jakaria, il est sauvé au milieu de trois défenseurs. Il est dans la surface de réparation. Lieu profitant, le shoot de but. Au bien profitant, c'était très bien joué avec Karel Jakaria. Avec l'Asie, il récupère le ballon. Nangro, il ne passera pas à Boko Amadi. Et c'est encore Jakaria qui est là et qui va permettre à son équipe de bénéficier de la touche. Karel Jakaria, l'arbitre demande de reprendre la touche. Il y a un joueur de l'Asie qui est sous la pelouse. Il est assis. Manifestement touché. Ah oui, chaud d'alerte tout à l'heure dans le camp de l'Asie d'Abankourou. Kirikou, Traoré Jakaria y était allé. Entre deux défenseurs, trois défenseurs même. Le passement de jambes, le retrait pour Olivier Kofikan qui n'a pas pris d'élan. Qui a trop cherché. Alors qu'on voit le commissaire au match dans ses papiers. C'était très très bien joué.
Liberté Africa, Mara Karamoko, a envoyé la touche. Cherche beaucoup Amadi. Beaucoup Amadi. Mara Karamoko. Mara, cherche Olié Kofikan, la poitrine d'Olié. On va chercher. On va passer le ballon. Et directement en touche. Sur le prince de l'indélié. On voit. On voit l'action. En bas. Il faut y aller. Un pied levé. Un pied trop levé, on va dire. Un peu plus froid. Traoré Diakaria. On va relancer. On cherche Léo Kofi Kan. Dégage côté Asie. En bas Mamadou, on est Désiré Magua. On cherche plan numéro 100. Ça sera une touche. Une touche. Plan Ruffin. Batala Boubacar qui envoie le ballon pour Niangro. La poitrine, en même temps le bras, l'arbitre ne sifflera pas. Et la touche pour l'Africa. Thank you.
Videla. Le capitaine travaille ici. Et c'est un corner. Sogalet dans la surface de réparation. Le centre d'un point refaire. La reprise, il y avait un lieu profitant. Il s'est déchiré, le défenseur de Badi. Le corner est parti. Attention, la tête de Gokwa Badi. Surpris par ce ballon, Gokwa Badi. C'était très très bien joué. Le corner était bien joué. Et Gokwa Badi à la réception a été surpris par ce ballon. Gokwa, la tête est surpris. Il fait toujours 1-0. Voilà, sur le banc, certains joueurs qui donnent de la voix. Il faut y aller. Il ne faut pas perdre ce. Cet après-midi. Et le coup franc de la Prince de l'Indénier. Le coup franc qui sera envoyé. La défense, attention, la reprise de volée. Il n'a pas cadré. C'est bien joué. Sur toute la défense, Zabika Ouattara Aboubakar. Il est sorti des buts. Pour. Karim Sissé. Ce ballon, Bamba Falikou. Bamba. Maniquez. Il va avec la récupération de l'Africa. On descend. Bamba. Souba. On n'a pas le ballon. Bon, le fond. Au fond de l'Asie. Le fond de ce ballon sorti par le joueur de. Vas-y, alors qu'il est dans les tribunes, c'est Mauro. Le joueur de l'Africa Sport d'Abidjan, le week-end, comme on l'appelle à l'Africa, n'est pas de la partie cet après-midi. Mauro Sori. Mauro Abdoul Sori. Cette action. Il a pris Serge. Et il s'est laissé tomber. Alors le Jacaria. Il joue avec le on a pas le ballon. 1-0. 55 minutes. 0 pour l'Africa Sport d'Abidjan. Et non du numéro 3, comme indiqué sur la feuille de match. Bon, on fait. Il est suspendu, le week-end dernier. Ouais, à deux. On voit le ballon, la tête de Laurent Niquez. C'est l'Asie. La passe de ses bases arrière. Le ballon directement pour Guan Fin, il se dégage. Directement en touche. Sur le joueur de l'Asie. Le Pax. Guan Niquez. On peut désirer Magua. Monsieur Champagne Ngossan qui attend le ballon. Et Mara Karamoko, il a sauvé la touche. Hein? Il a pu donner le ballon à un partenaire. Avant Gourou, contrôle, il trouve Kouakou Serge. Kouakou Serge, il envoie un centre directement. Il est
directement dans le décor. C'est une autre figure de l'équipe de l'Asie qu'on voit cet après-midi. L'Asie n'a pas encore retrouvé ses automatismes de la première mi-temps, les 30 premières minutes. Sonné peut-être par le but de Bamba. Se dégage aussi directement en touche à Abdoul Karim Cissé. Le ballon était bien gonflé à la mi-temps. Pas que ce soit un problème de ballon et qu'il y a une faute. Profit le joueur de l'Asie. Voilà, il faut le donner à la place. Là où il y a la faute a été commise. Envoyer le ballon. Ouattara Boubacar. Faute sur Camara, il n'a pas soufflé. Bamba Falikou se dégage comme il peut. Plus avec Traoré qui s'approche. Oui, vous voyez sa morphologie, Traoré. Petite taille, petite forme. On pouvoir faire bien. On voit défensif. Les joueurs de l'Asie d'abord. Contrôle sur le flanc gauche. Bien joué. Oh là là, il dévisse totalement le joueur de l'Asie. Le centre était bon. Sans conviction, il envoie la tête. Sacré Corée. Qu'est-ce qu'il a fait sur cette action? Il n'a même pas pris l'information, même pas regardé le poteau. A mis la tête directement nettement hors du cadre de Abdoul Karim Cissé. Le jeu repart avec l'Asie. Cherche Nambro, il ne pourra pas le ballon. Il avec le ballon. Bon, il place le ballon, il cherche le ballon. Et c'est l'Asie. Il a collé la coupe. Il a touché. Il a fait un sport d'Afrique. On voit le touche. La tête de déviation pour le Portugal. Le passage. Comme une faute. Donc, pas plus simple. Cherche comme cherche. Deux personnes. Sinon, le portier de l'Afrique pour l'Afrique. Désiré Maguire. On va voir pas ce ballon. Bro. Bro. Il a fait parler sa masse. Bamba. Il a retardé le ballon. Et il le donne mal. Il pénètre. Le joueur de l'Asie. Il la touche. Le prince de l'Indénier. Donc, nous servons. Il doit lui faire. Il obtient la touche. La touche. Il doit lui faire. Dikez. Dégage comme il peut Dikez. Il me touche. À baisser en intensité. Plus Serge. Plus Serge. Son partenaire. Trouve sur Osana. Sur Osana.
l'Asie, c'est bon. Il y a une position de hors-jeu signalée. Hors-jeu certainement de Olivier Pofican. Joueur de l'Asie. Il est pressé. Et la faute commise par Bamba Mamadou, indique à l'arbitre. Kofi Kan, Bamba Mamadou, Olivier Kofi, sur le ménage, déménage tout sur son passage. Olivier Kofi Kan, bon ballon, il ne va pas sauver la touche. Il a étendu au décofican. Il a pris un coup dans le dos. Arrêt de jeu ici à Robert Chancrou. Le décofican est étendu. Qui mène au score, un but à zéro. But de Bamba Mamadou à la 43e minute. Donc là, les joueurs de l'Africa, Didier Josué Alex, le grand, il se chauffe. Avec Komara Karamoko, Bamba Falikou, change de côté, Juan Ruffin, il a Traoré Diakaya à ses côtés, Bamba Mamadou, Juan Ruffin, Traoré Diakaya, on perd le ballon, Traoré. C'est bien joué Olivier Kofi Kan, il n'y a pas de position de hors-jeu. Olivier, il va shooter. La claquette du gardien Amara Ouattara. C'était bien joué. Belle combinaison de l'Africa Squad Abidjan. Bamba Mamadou dans un coup d'esprit place le ballon pour Olivier Kofi Kan. Voilà Bamba Mamadou. Il place le ballon Olivier Kofi Kan. Prise avec un défenseur. Résiste à la charge. Envoie le shoot. Et la conquête de Ouattara Amara. Il n'y aura pas un second but de l'Africa sur cette action. Le corner, attention. L'arbitre, c'est signe d'attente. On se bagarre dans la surface de réparation. Là, voilà, signe. C'est la dernière fois. Sur la ligne, Ouattara Amara, la reprise de Olivier Kofi Kan était parfaite. Le centre de Traoré, Diakaria aussi, que c'était bien joué. C'est l'Asie qui repart. La faute sur
Niambro. Kochi Niambro, remplacement. Falikou. Olivier Kofi Kan, le shoot en mouvement. Attention. Heureusement, il était seul entre deux défenseurs. Olivier Kofi Kan, il s'est battu. Il a rabattu le ballon une première fois. Olivier, il a shooté. Renvoi du gardien de but. Une seconde fois, le gardien met dans le but. Là, cette fois, le gardien compte. Alors qu'il y a eu une chaude arrêt tout à l'heure. Olivier Kofi Kan qui a étendu. On va mettre la balle en touche. C'est un moment bien joué sur cette chaude d'arrêt. Et c'est bien joué, Alex. On va certainement faire son entrée ici à Robert Champion. L'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Voici Kérékou à l'écran. Jean-Louis Diakaria. Arrêt de jeu. Ici à Robert Champion, consécutif à la faute sur Olivier Kofi Kan. La touche. Et les éclats vont certainement rendre le ballon. Directement en touche. Olivier Kofi Kan est sorti, pas encore remplacé.
faute de Bamba. Bien joué. Sana. Vas-y. Difficulté cet après-midi. Pour les 30 premières minutes, l'Asie ne s'est plus retrouvée. L'Asie ne s'est plus retrouvée. Aguier Josué, Alex, place Olivier Kofikan, Aguier Josué, auteur du but égalisateur face à la Jeunesse Club d'Abidjan 13 ville. Bon gabarit. Belle taille également. Bon ballon dans la surface de la défense de l'Africa. Voilà, maillot de Durand, Ruffin, Yvan Ruffin, Ruffin, dégagé, Didier Josué n'aura pas ce ballon, Didier, mauvaise passe, c'est l'Asie d'abord, attention, shoot en mouvement, contré, Bara Karamoko, toujours impérial. Les plaintes de l'indénier. Ce bar, ce manteau, et ce bamba qui fera la fin. Donc on revoit l'action. Le bamba dans son bilan. Pousse le défenseur. Il a dit, voici Bamba Mamadou. Auteur de l'unique but de la partie. Donc de la voix, formé Célestin, l'ancien entraîneur de l'ASCO, l'association sportive des clubs de Ouagadougou, aujourd'hui en Ligue 2. Formé Célestin. Lui n'a pas voulu rester en Ligue 2. Il a trouvé une chute. Ah non, j'ai pas le temps tout de suite. Point de chute à l'Asie d'Abangourou. Ouais. 75 minutes, plus de 15 minutes à jouer. Et toujours 1-0 pour l'Africa Squad d'Abidjan. Les Aiglons qui maîtrisent pour le moment leur sujet. Ici à Robert Choucrou. Bamba Fadikou, on ne descendra pas ce ballon.
c'est l'Asie d'avant tout. Donc voici Romero. On a Désiré Magloire, en tout cas, Antoine Ngossan. En bas, on a Désiré Magloire. Antoine Madi. Pour la touche pour le prince de l'Indénie. Touche alors qu'il n'est pas revenu. Kirikou alors qu'il va être remplacé par le Jakaria. Va se poursuivre. Tamine. Le ballon pour l'Asie. Belle amortie. Karaboubaka. On voit défensif de Bourgogne avec Guy Constant. Rapidement, Tara Boubacar. Solo Sana, vous voyez, la faute. Faute pour l'Asie d'Abangourou. C'est Abdul Karim Cissé. Comment? Il était là, Abdul Karim Cissé. C'est un joueur de l'Africa et qui joue dans sa surface de réparation. Pourquoi m'a dit Traoré Jakaria est le numéro 17 de Samuel Mamadouira, remplacé par le numéro 28 de Traoré Jakaria. Le numéro 17, Sanogo Mohamed Vieira, buteur de l'Africa, auteur de 3 buts. Sanogo, Et c'est l'Asie qui sort de son camp. Avec Balo Ben Ouma. Balo Ben, il envoie un ballon. Et c'est Juan Niquez. Il s'en sort bien. Pour le prince de l'Indénie. C'était une très très belle première mi-temps. La seconde mi-temps, elle est dormante. Deux alertes chaudes dans le camp de l'Asie. Mené par Olivier Kofikan. Le jeu a baissé d'intensité. La touche pour l'Africa et la faute. Kofi de l'Asie. Tara Boubacar. Il a monté le ballon. Il cherche la tête de Nyandro. Tout celle de Boutoua Madi. Sana, vous avez pour Mara Taramoko, Juan Niquez, Sanogo Mohamed Vieira, la touche, le vert et rouge. L'Asie d'Abangourou va procéder à un autre remplacement. Traoré Lamoudia, Traoré Lamoudia, ancien capitaine de l'ASCO également, l'association sportive du club de Bragaillot. Traoré Lamoudia,
de chute. Il n'a pas voulu rester à Ouagayo. Après la descente aux enfers. Suivi son entraîneur, Kwame Célestin, Didier Josier, Sos Gossin Antoine, Antoine Gossin, il a le ballon finalement, passement des jambes, il réussit le centre, la tête d'Aguien, il ne l'a pas le ballon à Aguien, c'était bien joué, qu'est-ce qu'il a fait à Didier Josier, Moudia Traoré, passement de jambes réussi, il fait le centre, et Didier Josier il saute, il est très court, attention, ah oui, alors qu'on était sur le ralenti, chaud à l'aide dans la défense de l'Africa Sport d'Abidjan, Azid Abangourou, on revoit l'action sur ce centre, Gokou Amadi, la tête de Gokou Amadi et la reprise côté. Plus de 6 minutes à jouer et l'Africa mène toujours 1-0 face à l'Asie d'Abangourou. Ici à Robert Champoux, Abdoul Karim Cissé. Envoi défensif et c'est une autre tête, celle-là de Laurent Niquet. Tara Boubacar, Soro Sana n'aura pas le ballon. Bamba Falikou. Bamba Falikou. Talonade d'Aguier. Bon ballon. Patrice Ngoran Ikej. Se dégage. Michel Sénégal Mohamed Vira. Traoré Lamoudia. Traoré Lamoudia. Traoré. Traoré. Il va perdre le ballon. Il touche pour les Aiglons. La touche de l'Africa Sport d'Abidjan. Bon Niquez. Bon Ruffin. Ballon à Guy Josier. À Guy. Bousculé. Et la faute. Il bénéficie de la faute. Il bénéficie de la faute à Guy. Nous ferons donc pour l'Africa Sport d'Abidjan. 86e minute. Bamba Falikou. Signe. Là, il n'est pas content, c'est Tara Amara. Place figure, posée d'une seule personne. Antoine Gossin. Il l'envoie directement dans les gants de Tara Amara. Africa. Le plein de l'indemnité qui contrôle. Benyambo, c'est bien joué. Attention. Bien joué dans l'espace. Attention. Heureusement qu'il est prompt. Abdoul Karim Cissé. Excellent sur cette action, Abdoul Karim Cissé. Il avait bien vu. On revoit l'action. On place le ballon dans un trou de souris. Nyambro face à Abdoul Karim Cissé. La piche nette. Et Abdoul Karim Cissé s'impose. Que c'était chaud, chaud, chaud dans la défense de l'Africa Sport d'Abidjan. Un pédial cet après-midi. Voilà les membres associés. Quelques sueurs froides sur cette action. Ah oui, il souffre. Pourquoi m'a dit cette action. Ancien défenseur de la FAD de Djekanou.
donc pour Africa Sport d'Abidjan, pour les l'Asie d'avant groupe. Quoi m'a dit, tellement transporté sous la civière. Pourquoi 3 minutes, on va dire 2 minutes du terme. Sortir sur une civière. Alors que l'Africa a déjà fait tous ses remplacements. La touche sera exécutée. Attention. Heureusement pour l'Africa. Abdoul Karim Cissé est encore là. On voit l'action, la touche, la balle traîne dans la surface de réparation. Personne pour l'Asie à la réception. Personne pour pousser ce ballon dans le filet. Et ça fait toujours 1-0. L'Africa. Le joueur reste par là depuis son entrée. Traoré Lamouga sur la droite, c'est bien joué. Heureusement, il est là, Doran Nikez. La prime se mêle au passage, Doran Nikez. Il se tord de douleur. Il se plaint de son genou. Donc, on revoit l'action. Ah oui, c'est difficile. Si on se ralentit, on veut dire. Si la faute était évidente, c'est relevé pour Andiquez. Capitaine de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors que Boukoua m'a dit, il est sorti sur la civière, deux blessés côté Africa, Traoré Diakaria, Boukoua m'a dit. De temps additionnel. Bamba Mamadou, Antoine Ngossan, ne trouvera pas Didier Josier. Temps additionnel, 4 minutes. Didier Josier. Fika, directement, dans les gens de Ouattara Amara. Et c'est l'Asie d'avant-goût. On repart. Dégagement, ça permet de tirer ma gloire. Ici, tête de. Ok, Josué. Thank you.
action. C'est l'autre action de Tagué Josué. C'est un coup. On va voir le fin. Coup franc. Comme a dit Constant, voilà, au bout pour moi, peut être enfin remplacé. Par numéro 6, Kone Mohamed. Donc comme a dit, défenseur central. Passé par Kone Mohamed, latéral droit. C'est donc Kumara Karamoko, le pompier de service. Qui... Attention le shoot. Le Sanogo Mohamed Diera, attention ce garçon est un buteur, c'est le buteur de l'Africa, 3 buts à son actif en 6 journées. Le shoot était bon, il est contré, c'est un corner. Corner pour l'Africa Sport d'Abidjan. On a dit à quelques secondes, à 15 secondes du terme. On prend donc tout son temps. Bamba Mamadou, l'auteur du but, va envoyer ce corner. Il joue à deux avec Sanogo Mohamed Vira. Mohamed, le centre, Davis, Caroin. Le ballon va sortir. 94e minute pour dire. Et c'est fini au temps réglementaire. On attend plutôt le coup de sifflet de l'arbitre. En ce temps, c'est l'Asie qui contrôle la faute de Mbouane Fin. Le prince de l'indigné contrôle. Traoré Lamoudia. Il cherche, pas de partenaire. Il trouve Mohamed Désiré Magloire qui envoie un long ballon à Guy Josué. Et sur ce, l'arbitre siffle la fin de la partie avec la victoire de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa qui bat l'Asie d'Avangourou. L'Africa qui tient sa revanche ici à Robert Chancourt après la défaite de l'année dernière. Avangourou, l'Africa en cette 7e journée. Elle enregistre sa 2e victoire consécutive sur l'Asie d'Avangourou. Les Aiglons, but de Bamba Mamadou à la 43e minute. But heureux Bamba Mamadou, saluant ses supporters. Merci d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie. Merci de suivre la Ligue 1. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre choc et une autre journée.